Première vidéo donc du 1er janvier 2024. Donc du coup dans la rubrique cinéma, je voudrais faire donc dans la critique assez facile le film qui a quand même assez bouleversé de l'encre récemment sur le plan historique, que comporte donc le second volet donc de la fameuse trilogie qui devrait être pour les trois mousquetaires Milady. Je prends le premier pour vous montrer par rapport à la fiche de film. Alors, j'ai beaucoup plus aimé le second que le premier. Déjà par rapport à Vincent Cassel avec Eva Green qui ont joué leur rôle à la perfection. Beaucoup, beaucoup d'intensité, mais une refonte complète de l'œuvre de Dumas. Alors, avant de débuter une vidéo par rapport à la critique de ce film actuellement, je voudrais qu'on revoie l'historique des films d'Artagnan, mais surtout l'histoire de Dumas. Alors, c'est très facile de penser qu'un film peut être mauvais, qu'il n'est pas adapté. L'histoire ne correspond pas. Alors, il faut que vous sachiez quand même quelque chose. Depuis l'âge des premiers films, il y a eu trois tomes. Les Trois Mousquetaires, que majoritairement qui a été refait une trentaine de fois. 20 ans après, où nos héros vieillissent. Et le double tome du Vicomte de Bragelonne. Alors, le truc, c'est que on n'en est jamais arrivé sur le plan du cinéma à faire mourir tous nos héros par rapport aux quatre mousquetaires. Mais pour ceux qui connaissent réellement l'histoire et par rapport aux adaptations, il y a eu tellement de modifications personnelles sur le plan du scénario et de leur réalisateur que réellement, oui, effectivement, aucun de ces films n'est une copie complète de l'œuvre complète de Dumas. Là, on ne va pas se mentir. Ce qui a beaucoup choqué, c'est depuis qu'en fait le film Napoléon est sorti avec Ridley Scott, tout le côté des informations historiques complètement bouleversées, les Anglais qui refont l'histoire, effectivement, il y a des scènes qui ont choqué, mais qui ont aussi existé, mais dans un autre temps. Alors, je fais une légère parenthèse pour revenir sur le film initial de Milady. Il y a eu un mousquetaire noir, effectivement, et d'ailleurs, premier officier de France, officier de couleur. Car il faut que vous sachiez que ce n'est pas sur Louis XIII, mais Louis XIV, réellement filleul de ce roi. Ils se sont permis forcément pour la fantaisie. Mais c'est quand même intéressant quand même de forcer les gens à s'intéresser aussi à l'histoire pour se dire qu'effectivement, il y a eu, oui, un Africain qui a été officier de l'armée française, de la garde du roi, et justement sous quand même l'époque des rois. C'est quand même assez intéressant quand même de le souligner. Ce n'est pas commun. C'est quand même une belle prouesse sur ce cas-là. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous savez qu'il y a eu plusieurs adaptations au cinéma. Alors, on va commencer depuis le départ. En fait, pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés sur le plan du sujet, il y a eu le tout premier qui a été fait en 1903. Donc, on est à l'époque, bien évidemment, que du noir et blanc, sans son. Donc, Les Mousquetaires de la Reine a été la première adaptation. Plus le temps a monté, il y a eu de nombreuses faits entre les années 1920-1930. Mais c'est à partir de 1948, la plus flamboyante qu'on considère Les Trois Mousquetaires de 1848 avec Jane Kelly, a été la grande révélation du cinéma pour les histoires de Dumas réadaptées en grand écran et en couleur, s'il vous plaît. Puis nous avons une version de 53 qui a aussi marqué avec George Marshall. Puis nous arrivons du coup en 1959, un petit peu cliché sur le plan avec Belmondo, mais elle n'a pas autant marqué les esprits que ça. Et nous avons aussi celle qui fut la plus complète, surtout par rapport à l'histoire initiale du premier volume, Les Ferrets de la Reine et la Vengeance de Milady en 61 avec Gérard Barret. Puis nous avons le plus côté drôme, on va dire drôle, avec le côté Zorro et les Trois Mousquetaires en 63, un petit peu tiré par les cheveux, mais qui a été un peu oublié quand même dans les bacs. Le plus hollywoodien est de 73 avec Michael York, où il faut quand même l'avouer, il y avait quand même beaucoup d'effets pour l'époque. On va pas se mentir. La plus, on va dire, avec les quatre Charlots aussi qui sont adaptés de ça avec Jean Valmont. Alors effectivement, 74, c'était vraiment de l'humour, mais bête et méchant. Donc aucun intérêt, mais voilà, on aime ou on n'aime pas. Un côté très porté en dessin animé, adaptation de 80 et de 93, comme pour Albert le cinquième mousquetaire.
Et nous avons eu un blockbuster qui a été sorti en 2011. Alors, je ne l'ai pas aimé, mais voilà, toujours pareil. Mais il y a d'autres films de D'Artagnan qui sont sortis, et justement, que dans ma collection, je voudrais aussi quand même redébattre avec vous, avant de parler Milady. Il y a eu une œuvre donc avec Bourvil qui a été Planchet. Planchet était censé être le larbin, le valet, comme était Mousqueton pour Porthos, Bachin, je crois, pour Aramis, et Grimaud pour Athos. Alors, je voudrais quand même voir quatre films qui ont été quand même massacrés quand même par la critique. Il faut quand même remettre une petite goutte dessus. Alors, le premier, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Le Masque de Fer, sorti avec Jean Marais, il n'était pas du tout mauvais. C'est un très grand dans le domaine de cap et d'épée pour l'ère de Jean Marais. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cinéma hollywoodien l'a repris en 97 pour un film que tout le monde connaît par cœur, qui est L'Homme au Masque de Fer, avec une tête d'affiche monstrueuse. DiCaprio, Gabriel Byrne, Jeremy Irons, Depardieu. Alors, j'ai adoré, donc on peut critiquer à l'heure actuelle par rapport à ce qui se passe pour son corps, mais en tant qu'acteur, il est magistral. Et qui c'est que j'ai pu oublier dans le lot, excusez-moi. Didier Depardieu, qui c'est que j'aurais pu oublier dans l'équipe? Ah oui, John Malkovich qui fait Athos. Alors, parmi les adaptations de Dumas, celle-ci est pour moi la plus parfaite. Les quatre antagonistes respectent parfaitement la physionomie, la personnalité des personnages fictifs de l'œuvre de Dumas. Celui-là, il est monstrueux, ce film. En vrai, il est... Lui, ça serait franchement le 5 sur 5, mais véridique à aucun truc. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Mais en vrai, il est monstrueux. Et justement, il y a un film justement qui m'a fait doucement rigoler. Réadaptation en 2001, avec Justin Chamber, Mena Suvari, avec, comment il s'appelle, donc Catherine Deneuve qui joue dedans, et puis avec, j'ai oublié, avec... Castelli. Alors, pareil. Moi, je l'ai aimé, franchement. Simple, sympa, ironique, côté hollywoodien, je suis d'accord. Ça n'a pas plu. Et en vrai, il est noté qu'à 2,1. Et encore, il se casse la gueule, parce que maintenant, il est passé à 1,7. Il se casse la gueule de plus en plus. Ce film n'est même pas remis en Blu-ray. Je l'avais restauré, justement, pour le truc. Mais en vrai, on le critique parce que ça ne représente pas l'esprit, justement, des Trois Mousquetaires. Soit. Alors, il y en a un autre. Purement français. Made in Baguette. Alors, celui-là, je le gardais de côté pour le film, parce que on voit quand même dans le film avec Eva Green actuellement qu'elle est monstrueuse en tant que Milady. Elle est parfaite. La fille qui joue Constance, c'est pareil, elle est magnifique. Mais si on prend La Fille de D'Artagnan, qui est une, on va dire, une comédie très, très humoristique avec justement la grande équipe de l'époque, avec, franchement, Noiret et compagnie, franchement, moi je trouve que ce genre de film me fait plaisir. Mais voilà, chaque spectateur a ses plaisirs et ses envies. Et dans la critique par rapport à Dumas, aucun de ces films n'a réellement mis en valeur l'œuvre, à part de copier le nom, quelques symboles par rapport au niveau des personnages, comme on connaît de Tréville, le capitaine qui donc gère les mousquetaires du roi, Richelieu, Louis XIII, la reine et compagnie, ce genre de personnages ne sont que les noms. Et c'est vrai que si on suit cette trentaine, quarantaine de films de fait de différentes sources et façons, aucun film ne respecte réellement, complètement, bien évidemment, l'œuvre de Dumas, qui reste toujours, bien sûr, une fiction. À l'exception que sur le plan historique, le personnage de D'Artagnan a existé sous le trait d'un autre personnage qui s'est inspiré. Parce que pour Dumas, il s'est intéressé des personnes vivantes de l'époque pour les adapter en tant que personnages de Athos, Porthos, Aramis, et qui justement sont mentionnés. Et ça, je conseille pour ceux qui veulent lire un jour le roman, ces personnes ne sont pas les vrais noms, bien évidemment, mais ont existé avec beaucoup de revalorisation sur l'aspect et tout ça, et par rapport à tous les faits d'armes accomplis à l'heure du sujet. Et donc, pour en revenir sur Les Trois Mousquetaires. Alors, très sincèrement, ce film, quand j'ai vu les critiques, je l'ai regardé sur la troisième semaine au niveau depuis sa sortie. Alors, en vrai, c'est un régal.
la manière. Alors, c'est vrai qu'on peut critiquer le siège de La Rochelle, donc l'arrivée du filleul de Louis XIII qui ne l'est pas. Bien évidemment, l'attentat de Buckingham qui n'a pas été fait sur le principe, parce que normalement, ce n'est pas, ça aurait dû être fait par des personnages secondaires qui ne sont pas du tout dans le sujet. Constance qui meurt d'une manière totalement différente, qui ne devrait pas l'être vis-à-vis du roman, ça aussi, complètement sujet totalement inversé, bien évidemment. Quoi d'autre à évoquer? La manière des personnages, et bah que du coup Porthos va se marier avec la sœur d'Aramis, complètement démentiel aussi, mais pourquoi pas, la fantaisie. Le fils qu'Athos n'a pas eu, vu qu'en réalité, il n'a eu que le fameux vicomte de Bragelonne, qui est un fils adoptif, à savoir Raoul de Bragelonne. Donc déjà, même ça, si on suit la logique du film, il y a plein de trucs qui sont complètement faussés. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est la manière dont ils ont joué l'aventure, l'action, et surtout une manière un peu différente, et pas forcément hollywoodienne. Voilà, c'est ça justement ce que je voulais évoquer avec vous. Ce film, c'est pas genre « on va gagner tout de suite, tout ça ». Il y a certaines incohérences, il y a certaines choses qui ne sont pas totalement une fluidité parfaite, comme dans le premier opus où Athos suit gentiment D'Artagnan, ne sachant pas qu'il pouvait partir pour la mission d'aller en Angleterre justement pour récupérer les ferrets. C'est pas du tout expliqué dans le premier opus. Dans le numéro 2, son frère qui a donc donné cette Bible qui connaît toutes les informations sur les protestants, pareil, on ne sait pas qu'est-ce qu'il advient du frère. Le frère, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, il a... Voilà. Il y a plein de choses qui sont complètement démentielles. Aussi pour Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, qui visiblement dans le tome original n'avait jamais normalement trahi justement Louis XIII, dans Les Conjurés. Ça aussi, quelque part, mais il ne faut pas se mentir. Il y a eu beaucoup de modifications historiques, beaucoup d'aspects pour faire plaisir. Alors, le vrai problème... Alors, le truc, comme je l'avais évoqué dans le premier opus pour Porthos, bisexuel... On sait que Porthos est un acharné de la bonne tendre féminin, bonne bouffe, c'est son plus gros péché d'ailleurs, bien évidemment. Concernant notre Aramis, bah écoutez, il est très très sarcastique et il est très très discret, tandis que là, c'est un guéluron comme Porthos. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de crédibilité, bien évidemment. Alors par contre, Vincent Cassel, pour Athos, il a été magistral. Je l'ai trouvé en tant qu'acteur. Il y a beaucoup de films que j'aime de lui, mais là, j'ai trouvé qu'il était sur son... Là, il est sur le perfect. Il est magistral. Franchement, j'ai adoré son personnage. Et je le redis encore pour Eva Green, en vrai, ténébreuse, magnifique, envoûtante. Elle vous fait à la fois votre ami, votre ennemi, d'une facilité déconcertante avec... Non, j'ai réellement apprécié cette tournure de personnage. C'était vraiment cool. Mais en vrai, j'espère qu'il y a bien sûr cette troisième partie, parce que maintenant, on sait que donc le fils a été enlevé, donc forcément, j'espère qu'il y aura une suite pour ça, qu'on n'arrête pas ce genre de film, parce qu'en vrai, c'est un réel plaisir. Moi, j'ai trouvé que c'était un réel plaisir sur ce concept. Après, voilà, c'est vrai que quand on en regarde bien, je pourrais m'amuser à décritiquer tous les films que je vous ai évoqués juste à l'instant, que j'ai, en plus d'autres films que j'ai d'autres qui sont directement sur mon serveur cinéma. Mais une rubrique pareille, si on voit le pour et le contre, si on faisait vraiment l'aspect que tous les amateurs de films de KTP regardent carrément depuis l'histoire de la création, si possible en accessibilité jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce film est réellement excellent. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, soit, mais c'est un film magistral qui nous emporte pendant 2 heures de séance. Ce qui est pas quand même, faut quand même l'avouer, parce que en termes de films d'action français, vous en avez pas des masses dans les bacs. Donc voilà sur ce que je voulais dire par rapport à cette séance de D'Artagnan. Alors j'espère que donc ma critique vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.